Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, et bienvenue, bienvenue, chers amis, dans Dégraisse mon canard. Oh. Bienvenue en tout cas, et bienvenue dans Devil May Cry, épisode 5, si je ne m'abuse, ou 4. J'en sais rien, c'est pas très important. En tous les cas, lors du dernier épisode, nous avons réussi à fuir les démoniaques démons de l'enfer qui ont tenté de nous capturer alors que nous dirigions vers le plateau télé, histoire de le détruire et d'empêcher les news de Raptor Jésus de continuer à profaner des diffamations sexuelles à notre encontre. Comme quoi on aurait fait des actes sexuels terribles. D'abord, c'est même pas vrai. Et ta mère était consentante. Oh, c'est ça. Et sur ce, dépensons notre argent dans les magasins comme d'habitude. Dans un épisode calme, hein. J'aime bien les épisodes sans musique, il y a juste le son de ma voix. Vous, ça doit vous faire tout drôle. Ça va juste être étrange en fait. J'essaie de me mettre à votre place. Et du coup, j'ai 2 points disponibles. Ouais, on va peut-être améliorer l'Osiris parce que j'en ai chié la dernière fois. Déjà, ça m'a l'air essentiel. Appuyez sur ou maintenez. Tac, tac, tac. D'accord. D'accord, décollage, double mise. Puff. Les lances en l'air, un ouragan balai denté les ennemis qui l'entourent. Au sol, maintenez, d'accord. Une feinte vers l'avant, puis... une fois chargé. On va prendre ça parce que ça nécessite le moins de skill. Plus tu tapes avec, plus elle tape dur. C'est un truc que je peux comprendre, c'est simple. Parfait, allons-y du coup. Hop, et c'est parti. Dégraisse mon canard. Monsieur, si vous voulez profiter de nos offres très avantageuses téléphoniques, il faut arrêter de m'agresser avec votre épée. J'essaie d'imaginer ce que dirait la poupée en face, quoi, à chaque fois qu'elle se fait défoncer comme ça. Et le mec fait ça juste à l'épée, quoi. Il fait ça juste à l'épée. Allons-y. L'usine de virilité. Endroit international où sont produits les bits. Je suis venue ici quand j'étais petite. J'avais pu tout explorer sans me faire remarquer. Ah. J'ai senti un démon sous l'usine. Très ancien. La succube. On pense que c'est elle, la source de l'ingrédient psychotrope qu'ils utilisent pour nous contrôler. Comme dans Futurama ? Bienvenue dans l'usine de Virility. C'est l'ingrédient secret de Virility qui en fait la boisson préférée du monde entier. De plus, les tests scientifiques ont prouvé qu'une consommation quotidienne améliore de 21% la perte de poids et de 63% les performances. T'entends ça ? Cool. Comment les gens peuvent gober ces conneries? Si on te répète quelque chose assez longtemps, tu finis par le croire. On me disait que j'étais folle de voir des démons. Ouais. Moi aussi, ils m'ont fait passer pour un cinglé. Ils voulaient me mettre sous traitement. Soi-disant pour me guérir. Tu parles. C'était pour que je reste faible. Et docile. Comment tu t'en es sortie? Vergil m'a tiré de mes cauchemars. Et toi ? Je t'aurais juste tiré. Quand les gens en qui on est censé avoir confiance se révèlent être... d'atroces démons... Tu remets ta vie en question très vite. Les masques tombent et le mal apparaît partout. Je n'ai pas plié. J'ai riposté, tué, quelles que soient les conséquences. J'ai choisi ma route et tracé tout droit. Après tant de colère, de violence et de mort, il faut scruter son âme, sonder son cœur, pour savoir si on est lucide, pour savoir si on est encore humain. Ah. Je savais au fond de moi que j'étais pas cinglé. Quand même, le mec, il a un style de vie. Mesdames et messieurs, voici l'endroit où sont mélangés les ingrédients magiques qui donneront le goût inimitable de Virility. La succube est dissimulée au cœur de l'usine, mais malheureusement, il n'y a aucun moyen de l'atteindre depuis notre monde. Il faudra passer par les limbes. Il y a une faille à l'intérieur. Croyez bien que tout a été contrôlé et approuvé par les scientifiques les plus compétents et les plus intègres. Virility est un vrai trésor national. Et croyez bien que le taux de semences d'écureuil utilisé dans la boisson Virility approche les 0%. 0 est un pourcentage. Ça dit des chiffres au pif, ça ne veut absolument rien dire. Bon. Eh ben, nous sommes encore dans le monde réel et honnêtement, pour une usine, tout ceci m'a l'air insalubre, si je puis me permettre.
Et puis, est-ce que c'est pareil à Coca-Cola Company? S'il y a quelqu'un qui travaille à Coca-Cola Company et qui t'est pas gardé sous le secret, essaie de me révéler si oui ou non il y a des tubes gigantesques qui pompent comme ça le suc démoniaque qui est injecté dans chaque canette, le rendant aussi délicieux et... rendant la boisson aussi délicieuse et nécessaire à ma survie. Et comment elle dandine du cul! J'espère que t'es majeur, hein, parce que sinon... Par ici, je crois. T'as dit que t'es déjà venu ici? Ouais, mais c'était pendant un voyage astral, il y a des années de ça. Tu volais sous forme d'esprit? Ouais, dans les limbes. D'après Vergil, c'est un formidable outil d'espionnage, mais je peux pas le faire à volonté. Alors, comment tu t'y étais pris? C'était déclenché par des psychotraumatismes extrêmes. Les cauchemars. C'est quoi ces cauchemars? C'est du passé maintenant. Ok, ok. Bon. Et ben à chaque fois qu'elle faisait un bad trip, elle volait dans l'univers et elle se retrouvait dans l'usine de virilité. Pour une femme, c'est quand même un comble. Alors, ça veut rien dire. Moi, j'aime bien. Bob, pourquoi t'as sous-entendu pour une femme? Tu sous-entends qu'une femme, ça peut pas être viril, c'est ça? Je vais même pas répondre à cette question. Il y a des choses qui me paraissent évidentes. Une femme, ça peut être très viril, Bob. Oui, oui, bien sûr, évidemment. C'est juste... Rendez-vous compte de l'absurde de l'interrogation que vous êtes en train de vous poser. 5 secondes. Voilà. C'est tout. Et regardez le suc délicieux qui se fait blouglouter directement dans les... Putain que je prendrais une paille et que je pomperais tout ce liquide avec ma bite. Enfin bon, allez-y. On y va. Je vous donne du plaisir et du bonheur. En 1080p sur Fantabob Games. Oh. Et du coup, il se passe rien ici. Moi, je suis tenté d'aller voir là-bas, en fait, mais... je te fais confiance, allons-y. Continuons à avancer dans l'usine nazie qui n'est absolument pas gardée. Hein. Je rappelle, il n'y a personne qui travaille ici. Hein. Tout est automatique. Je veux dire, on n'a pas rencontré un seul employé. Pour un truc international, c'est plutôt étrange. C'est ici qu'ils stockent la marchandise avant de l'exporter. C'est bizarre. Y'a personne. Quoi? Je pensais que ce serait plus grand. Ça m'étonne. Ah, vous êtes sérieux? Enfin, j'étais dans les limbes, c'est peut-être différent. Et puis j'étais une gamine. Qu'est-ce que tu faisais? Je fuyais mes cauchemars. T'es venu dans les limbes pour fuir tes cauchemars? C'est une strat. Ouais. Moi je remarque que par contre notre ami Dante est en train de briller au soleil. Je sais pas si vous avez vu durant les deux dernières scènes de la cinématique là, mais il avait un petit effet Edward Cullen. T'imagines le sortilège de merde quoi? Lorsque je suis au soleil, ma peau brille comme un diamant. Et mais c'est pas au soleil en fait, c'est quand t'es sous la lumière d'un néon pourri. Oui. Enfin bon, allons-y. Continuons à trottiner avec la Schtroumpfette. Une fois dans les limbes, tu n'auras qu'à revenir sur tes pas pour arriver à la salle des mélanges. Ça devrait pas être trop dur. Peut-être. Mais les démons pourraient sentir ta présence dans les limbes, alors sois prudent. Et une fois dans la salle des mélanges? De là, tu pourras descendre au niveau inférieur de l'usine. Et me faire une succube. C'est bon, ça. En plus, c'est sur ma liste de choses à faire avant de mourir. Épuiser une succube sexuellement. Je suis sûr, c'est jouable. Ok. C'est là. Par contre, ça prend du temps, hein, comme une grosse dame. Allez, vas-y, bombe ma puce. Efficacité. Parfait, on se retrouve de l'autre côté. Allez. Wouhou. Je suis en bas. Ah, bien. T'as raison. Dans les limbes, c'est beaucoup plus grand. Et maintenant? Repars à la salle des mélanges. Je t'y rejoindrai. Obésité. Stupidité. Buvez virility. C'est ça qui est bon. Obésité, stupidité. Soyez viril. Soyez homme. Soyez délicieux. C'est ça qui est bon. Quand même, hein. Personnellement, c'est pas l'idée que je me faisais de lâcher une caisse, mais... Monstre et compagnie. Ah mon dieu. Allons-y. Par où suis-je censé passer du coup?
Hop. Yop. Ourie. Ah. Ourie et une caisse de poison. J'ai l'impression de jouer à Mario Galaxy. Ça veut rien dire. Yahoo. Quoi? Je me pète très mal. Oula, ça m'avait mis du temps. J'ai été délicieusement surpris, chers amis. Hop là. Allez, on approche et on paye. Hop là, esquive magnifique latérale gauche. Double attaque. Hop là. Une esquive, deux esquives, trois esquives, quatre esquives. Ourier. Alors. Ah, je suis en train de tomber. Ah, je suis tombé. C'est brave, ça compte. Oula, 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 oula. Come over here. Très bien, c'est fini. C'est fini, très bien. C'était juste des petits ennemis qui traînaient pour faire joli, on les accepte. Du coup, par là-bas, ça passe et ça mène sans doute à la suite. Sauf que là, oui. Voilà, consumer, c'est un faux ami. Enfin, consume. J'ai toujours pensé que ça voulait dire consommer, mais en fait, ça veut pas dire consommer, ça veut dire consumer. Mais pas forcément consumer par les flammes. Enfin, si, ça peut vouloir dire ça, mais consumer, en fait, dans le sens manger, absorber, engloutir. Détruire par engloutissement, absorption. Donc, consume, c'est quelque chose que tu dirais lorsque tu... que tu manges quelque chose ou quelque chose est consommé par les flammes. Bref, voilà, c'est un faux ami, ça veut pas dire consommer. Voilà. Ou alors ça peut, mais... ils aiment pas ça, les roast beef. Ou les profs d'anglais, du moins, n'aiment pas ça. Voilà. Les conseils d'un Lennon. Hop. Ouh, yeah. Et rappelez-vous, c'est pas parce que c'est valide en anglais que votre prof d'anglais est d'accord. Et comme c'est cet enfoiré qui détient le monopole de vos notes, vous n'avez délicieusement pas le choix. C'était un piège. Voilà. Fallait le deviner, ça aussi. Ils sont mignons. Wow! Bon, chevalier infernal. Là, la réponse me semble assez simple et même limpide. Vous pourriez m'indiquer la salle des mélanges? Excusez-moi, je cherche les toilettes. Ouh, yeah! Je dois être dans la bonne direction parce que c'est littéralement... ce que j'appellerais... un tas de merde. Il en reste encore. Oh fuck, un gros. Oulé, 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 oulé. Hop là. Oulé, 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 oulé. Oulé, 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 oulé. Aïe, 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 bien joué. Bien joué, bien joué, Gisèle. J'avoue, j'ai été délicieusement surpris. Aouh. Ouais. D'abord des petits. Une fois qu'on est débarrassé des petits, c'est facile. Une fois qu'on est débarrassé des petits, aïe aïe aïe. Ah, je l'ai payé quand même, c'est pas grave. Un autre? Non, ça devrait aller, parfait. Ouh, ouré, ouré. Hop là. Ouh, ah, quel combat. J'en chie de plus en plus, chers amis.
J'imagine que vous avez des tas et des tas de conseils pour le combat et je vous prierai de me les donner et pas forcément de les garder pour vous. Et non, je n'utilise pas trop le lock parce que c'est vrai que ça permet de... Enfin, ça me fait perdre la vue d'ensemble en fait du combat. Et je devrais peut-être. C'est vrai que c'est difficile, hein. Phew. Enfin. Bob, c'est super simple ce jeu, t'es mauvais. Ah bah, excusez-moi. J'essaie de faire ce que je peux avec ce que j'ai. Je ne suis pas habitué à ce genre de jeu, je tiens à le dire. Mais pourtant, les beat'em all, c'est ton dada. Oui, mais moi, je préfère les beat'em all où, en fait, il y a des différents, comment dire, des séquences de combos qui n'impliquent pas les gâchettes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre X, Y, B, B, X, Y, A, A, B, X, Y, So, B, B, X, Y, Y, B, S, Y. Bref, vous avez vu ce que ça donnait lorsque je jouais à... Comment ça s'appelle? Ah, je me souviens plus de ce jeu. Heavenly Sword, exactement. Et c'est vrai que vous allez me dire, oui mais Bob, Heavenly Sword, ça implique aussi que tu changes en plein milieu de ton combo pour les épées et tout ça. Oui, mais comment dire? C'était moins compliqué, voilà. Dans mon idée, c'était moins compliqué. Faites-moi pas chier, très bien. Hop. Voilà. Heureusement que t'as pas joué au précédent Devil May Cry alors, hein, parce qu'ils étaient super durs et la moitié du temps fallait presque utiliser ce que j'appellerais des glitches pour pouvoir annuler ses combos et en faire d'autres et ouais, oh, hein, voilà. Si Capcom sait pas gérer son gameplay, alors moi je suis Mère Teresa, allons-y. Et regardez, pour prouver que je suis pas Mère Teresa, je vais tuer des bébés araignées sans défense. Voilà, Brigitte Bardot peut aller se faire foutre. Alors, amélioration, j'ai le droit à une amélioration, est-ce que j'ai le droit à une capacité bonus? Non. Osiris, peut-être. On va peut-être acheter une nouvelle d'arbiteur. Ah, m'explose à l'impact, faille plus longue. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant et ça pourra me sauver la vie plus tard. Si je pense à le faire. Stupidité. Ouais, mais ça va, je t'emmerde. J'étais en train d'infléchir des vraies stratégies et. Vous voudrez peut-être faire quelque chose contre ça. Le mur se bat. Bon. Bah écoute. Oh non! Ce coup-ci, je me ferai pas surprendre une deuxième fois. Chevalier ne se fait pas avoir par la même attaque 27 fois de suite. Faut quand même pas déconner. Allons-y. Bob, t'as raté plein de bonus. Oh, ça va. Ah. Sauf que celui-là, je l'ai vu. Hop là. Hop, hop, j'essaie justement de maîtriser ce nouveau coup que je viens d'apprendre. Excellent. Je pense que je l'ai. En plus, le temps d'attente en l'air est beaucoup moins long. Ouais, c'est ça. Pas mal. Fuck you, game! Je me suis fait avoir bêtement, c'est pas grave. Non, 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 je me suis fait avoir avec les gâchettes. Je suis pas concentré, c'est pas grave, on va commencer. Non mais pourquoi? Pourquoi? Bon. Il fallait que j'appuie sur la gâchette au sol. Aha, aha. Very funny game. Bon, c'est pas grave. On progresse. Ça par contre je savais. Hop là. Stylé! Oh, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Stylé! Ok. Hop! Ça, c'est bon. Ça, ça mène obligatoirement à des bonus où je ne m'y connais pas. Ou alors à la suite de l'histoire, mais ça me paraît peu propice. Ça a l'air d'être la suite de l'histoire en fait. Ah, donc c'était là-bas les bonus. Regardez, vous voyez, on voit le trou là dans le mur. Quoique, les nonnes. Non, ça c'est la suite. Ça c'est la suite, c'est là où tu veux aller. Hop là. C'est presque pas passé. Ouh, j'ai eu peur.
Ça, par contre, ça passe. Réfléchis, Bob. Ah, fuck! Apprendra à réfléchir. Vol! Parfait. Hop là. Ok. Tu ne peux pas voler jusqu'à là-bas, Lennon. Ça ne sert à rien. Il faut que tu passes par au-dessus. Très bien. Suis la route après tout. Tu t'en fous. Perché. Le mode démoniaque immunise Dante contre l'enfer tellurique des chevaliers inférieurs. Ah! C'est pour ça que j'avais pas été touché avant. C'est parce que j'avais l'âge. Ça fait du sens. Ah ah. Et là j'imagine que le mode céleste immunise Dante contre... Ah ah, raté. Ça m'immunise contre leurs attaques de glace. Ça fait du sens. Donc pour faire contrer leurs attaques de glace, il suffit que je sois en mode céleste. Et pour contrer leurs attaques démoniaques, il suffit que je sois en mode démoniaque. Ok. Ça c'est pigé de la part du Lennon. Ensuite, cette caisse... Ah, on pourrait jamais taper cette caisse, n'est-ce pas? Non, ça passera jamais. Bon. Hop, hop. Hop là. Je sais pas comment c'est passé, mais c'est passé. Parfait. Il y a plusieurs passages. J'ai une idée de comment débloquer ça. Ouais, mais le problème c'est qu'il faudrait que je le tape. Or, il est trop loin. Et même si je faisais le méga dash en plein air comme ça pour ensuite l'enchaîner, je ne suis pas sûr que j'aurai les moyens de l'avoir. Donc, on va passer par la route 7. Voilà, parfait, c'est une route safe, je l'accepte. Ouri. Ah bah alors. Ouri. Ah bah alors. Bah ça marche pas. C'est la deuxième fois que je contombe sur ces trucs étranges là-bas. Hop là. Hop là. Hop là. Hu ha hu. Ha ha. Parfait. Enfin, parfait. Réfléchis, ça doit pas être compliqué, Lennon. Lennon, c'est un jeu Capcom. Ça doit pas être compliqué. Mais ils peuvent être tordus chez Capcom. Hop là, c'est bon, c'est passé. Ça mène juste à une âme, c'est juste un bonus, Lennon. Te laisse pas déconcentrer par ça. Wait, Lennon. Est-ce que la solution était pas juste? Je suis Batman. C'est pas grave, j'ai raté mon Batman. J'ai retourné là, ok. Parfait, je l'ai eu. Parfait. Est-ce que la suite de l'histoire, c'est juste pas de suivre les espèces de tuyaux bizarres et étranges? Je ne veux entendre aucun commentaire. Allons-y. De toute façon, je fais toujours des sauts périlleux trop swag. Et le fait qu'il n'y ait pas de parade dans ce jeu, ça me dérange. Vous allez me dire payer à une esquive? Oui, mais on peut pas esquiver en plein milieu d'un combo, ou alors... bref, c'est bizarre. Mais c'est pas grave. On va faire ça avec, on va finir ce jeu pourri quand même. Mais il est pas pourri ce jeu, Bob. Mais non, il ne l'est pas. Ouh, yeah. Ouais.
je pensais. Oula, 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 oula. Comment ça? Ah! Tir allié. Beaucoup d'ennemis ont des attaques qui affecteront les autres ennemis à temps de s'en servir en profit. Mais oui, j'ai appris ça déjà. Vas-y. Hop là. Merci. Hop là. Bien joué. Magnifique tir allié, ça. Et voilà! Fuck you, Dante! Et voilà! Fuck you, Succube, à la fin de cet épisode! And fuck you indeed! Que je vais y aller avec mon slip. Je me suis entraîné sur des bitches toute ma vie. Elles m'ont coûté suffisamment cher, les pauvres enfants. Et Ew. Aïe, 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 aïe. J'avais besoin de tester. J'avais besoin d'essayer si c'était mortel instantané ou si j'avais un peu de temps et... Ah, ah, ah. Un effort méritoire. Mais... futile! Brutal! Donc, on ne surprend pas Lennon comme ça, je. Tu sais bien que. Tu sais bien, Capcom, qu'il en faut plus que ça pour me surprendre. Enfin, je dis ça. Ah bah, je suis perdu. Merde alors, Capcom a trouvé mon seul point faible. Bah, je vais pas très loin quand même avec ce super saut. Y'a pas moyen de l'améliorer un peu parce que. C'est vrai que c'est pas très terriblement efficace quoi en fait. Et enfin. Non, je me trompe toujours. Oula, 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 oula. C'est ouvert. Ah, encore un truc de comité de ponte des œufs. Hop là. Parfait. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez fait vous comme péché? Vous avez mangé des araignées? C'est un gros péché ça monsieur. Mais enfin, je te pardonne. En te mettant des coups d'épée dans la face. Oh, j'ai débloqué un concept art 4. Ah, bien savoir qui est la personne. Une impasse. Qui est la personne qui a désigné son cul. Et en parlant de cul, ce couloir vient de se fermer. Une salle des mélanges. En parlant de cul, ce couloir vient de se fermer comme un sphincter un peu comprimé. C'est pas très grave. Mais pour la salle des mélanges, écoute, c'est au bout du couloir, mon petit Dante. Tu peux pas le louper. Tu peux pas le louper, c'est le seul endroit que les ennemis essaient de t'empêcher d'y aller de manière active. Ça devrait pas être trop compliqué. Il suffit de suivre les espèces de grosses tentacules hentai pompeuses de Slurm. C'est ça, le Slurm dans Futurama. Ouais, bah, tuez-moi. Hein. Personne derrière moi? Non? Y en a qu'un devant? Bah, il est où? Bien tenté! Tu crois que je ne t'avais pas vu? Mon grand double air slash. Et voilà. Bob, t'en envoies 3 des ondes de choc, tu sais. Oui, mais je l'appelle le double air slash quand même, me fait pas chier. Tu veux qu'on reparle du rayon magique? Oui. Ah, ça a l'air d'être la suite de l'histoire. Quoique le chevalier. Eh bien, ce que je pensais, le chevalier est apparu là-bas, donc c'est sans doute la suite de l'histoire. Allons là-bas. Ici, ça devrait être... Ah, une porte secrète. Mais est-ce que j'ai une clé? Les zones secrètes ne sont pas disponibles durant un combat. Mais c'est pas un vrai combat, ça. Ça, c'est un ennemi qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire.
Voilà. Nécessite une clé. Fuck. J'ai malheureusement pas assez de clés pour tout ça. C'est pas très grave, on avance. C'est trop sombre même pour YouTube. Cherchez pas les enfants. Il se passe... Oh, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'était que ça? Et là, j'ai l'impression qu'on est revenu à la réalité pendant une seconde et... Et là, on est dans la matrice. Bon, bah ok. Pas de soucis, pas de soucis. Ok, jeu, si c'est comme ça que tu veux le gérer, t'as failli me surprendre. Alors, j'ai pas le droit à un point bonus. Malédiction. Objet. Justement, je commence à manquer un petit peu de points de vie et 2000$ pour améliorer ma santé et rendre tous mes points de vie, ça m'a l'air plutôt avantageux. Donc j'achète. Oh, délicieux. Excellent tout ça. Voilà. Ah ah! Exactement, Dante. Ouh! Merde, d'être une belle saloperie ce truc. Bon. Comment on le perce? Oh. Pas différent que pour les abeilles. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le délire? Le processus de mélange. Et c'est la source qui nous intéresse. J'imagine que notre succube est à l'autre bout. Tout à fait. Par ici. Bon. Mais t'as vu que ça passera pas l'inspection sanitaire, tout ça. Ah merde! Désormais. Laisse-moi une minute. Laisse-moi une minute et éloigne-toi! Ouh, yeah! Oh putain, je l'ai envoyé dans le trou! Ah 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 ah! Je me suis contenté de viser dans le trou! Aïe, bien joué! Oula 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 oula! Qu'est-ce qu'il y a? Y'en a d'autres? C'est tout? Je pensais qu'il y aurait plus de victimes! Ah, plus de victimes! Vous me faites plaisir! Ah, oh, bien joué, t'as réussi à m'interrompre en que je pensais que tu voulais le caler! Hop là, hop là, hop là. Ah, bien joué. Ah, fight. Vous voulez jouer à ça? Double air strike. Et voilà, hop là. C'est pas grave, ça ne m'affecte pas. Ça ne m'affecte pas, j'ai les ténèbres avec moi. Ouh, yeah. Et voilà. Oula 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 oula. Ebony, Ivory, je vous renomme. Vous serez choléra et Ebola. Oh. Quoi, y'en a encore? Deux gros. Alors, lequel de ces gros culs veut devenir la honte des limbes? Magnifique double hit, enfoiré. Ouh, yeah. Ça fait pas beaucoup de dégâts, ça. Hop là, raté. Hora. Hop là. Raté. Doublement raté. Ah, bien joué. Ah, bien joué, raté. Là, ce coup-ci, c'est passé. Ouh, yeah. J'ai préféré le bouffer. J'ai éliminé. J'en ai eu un. Oh là. Ouh, yeah. Raté. Raté. Bien joué, bien tenté. Mais je t'aurai au pistolet. Ça va pas? Et comme ça, ça marche. Félicitations, tu gagnes. Trois dragées Fuka dans le cul, et ça glisse tout seul.
Merci, couille gauche et couille droite. C'est ça qui est bon. Et dire que j'ai pas eu besoin de les recharger depuis le début. Oh, un désavantage d'être un néphilim, j'imagine. Oh well, j'ai bien fait de faire ma recharge de vie complète parce que regardez, j'ai déjà perdu toute la vie que j'avais collectée. En même temps, j'ai fait le compte. Je suis pas vraiment battu sérieusement. Nkakaka, tu bluffes, Lennon. Non, sérieusement. Si je me bats sérieusement, déjà je la boucle et ça devient moins intéressant. Du coup, voilà. Si vous doutez que je peux être capable de grandes prouesses, je vous invite à regarder les... Ça va ? Ça avait l'air méchant. Non, ça va. Ça ? Non. C'était juste un gros tas. Allez, viens. On va se la faire, cette succube. À deux. Je me sens pour une partie à trois. Je sais pas toi, mais c'est ça qui est bon. Oh. Par contre, tout ceci ressemble au setup d'un hentai. Hein. Je tiens à le dire. Bob, ça fait trop longtemps que tu es sur Internet. Ça veut rien dire. Tac, 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 tac. Oh, C comme couille. D comme double couille. Et B. Bon, B. Big... Attends, Big Bad Bob Bourrin. Enfin... Ouais, ça peut passer, hein, c'est pas ça. Et au final, cool, c'est ça qui est bon. Parce que j'essaie de réfléchir à des trucs à dire sur le coup, mais c'est difficile, chers amis. Dans tous les cas, merci infiniment d'avoir regardé cet épisode de Devil May Cry. C'est ça qui est bon, hein, un épisode de, je sais pas, de démonte ma chaise ou un truc comme ça. Ça va absolument rien dire. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, zou!